Eh bien, bonsoir tout le monde. Alors, on vous retrouve avec 5 petites minutes de retard pour ce webinaire sur la banque au Canada. Je suis accompagnée de Sylvie de la Banque nationale du Canada. Alors, avant de laisser la parole à Sylvie qui a toutes les connaissances sur la banque qui vous intéresse, je vais vous dire 2, 3 petits mots sur pvtis.net si vous ne nous connaissez pas. Donc, moi, je suis Julie, cofondatrice de pvtis.net, ancienne pvtiste au Canada et plus précisément à Toronto. Et pvtis.net, c'est un site d'information et d'entraide sur le PVT dans les 15 pays, bientôt 15 avec le Pérou, qui sont proposés aux Français et les 5 pays PVT qui sont proposés aux Belges. On propose énormément d'informations gratuitement sur notre site que vous retrouvez également sur notre application gratuite. On vous propose notamment le guide des PVTistes au Canada que j'ai là en papier mais qui est également disponible en PDF gratuitement sur le site. On est présent sur Facebook, sur la page sur laquelle vous êtes actuellement, à laquelle je vous invite à vous abonner si vous voulez suivre un petit peu l'actualité du Canada en ce temps de Covid-19 et par la suite quand tout sera rentré dans l'ordre. On a également sur PVTIS un article qui s'appelle Covid-19, la situation des PVTIS, qui reprend au fil des semaines toute l'actualité qui concerne le PVT. On fait également une fois par semaine sur notre compte Instagram PVTiste. Donc, on vous donne les actualités des 7 derniers jours. On fait des lives questions-réponses sur tous les pays du PVT, tous sujets confondus. Donc, si à un moment donné, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous suivre également sur notre compte Instagram. On va parler donc de la banque. Sylvie va surtout beaucoup vous expliquer des choses sur la banque au Canada, tout ce qui change. Parce que vous le verrez, il y a des choses qui sont un petit peu conceptuelles pour nous, les Belges et Français. Ça change pas mal. Et puis, on terminera par une session de questions-réponses. Mais avant de laisser la parole à Sylvie, je voulais vous indiquer que la Banque nationale du Canada fait une super offre pour les nouveaux arrivants au Canada, quelle que soit la province de votre choix. C'est jusqu'à 3 ans sans frais. Donc ça, c'est une super offre. Et en plus de ça, via pvtis.net, on va vous mettre le lien qui vous en dit plus. Vous pouvez avoir un cadeau de, enfin, recevoir 50 $ quand vous arriverez au Canada. Donc, gratuité bancaire plus 50 $, c'est un très bon plan. Et puis maintenant, je vais laisser Sylvie vous parler de la banque et de la BNC. Hop. Oh, il y a le son. Est-ce que tu m'entends? Oui. C'est tout bon. Nous sommes des fiers et heureux partenaires de pvtis.net depuis de nombreuses années. Alors, on connaît bien le programme pvtis, on connaît bien les administrateurs de pvtis.net et on peut vous dire que ce sont des partenaires qu'on apprécie beaucoup et pour vous aussi, il y a beaucoup d'informations pertinentes. J'ai même des amis, collègues qui sont d'anciens pvtistes. Alors, pvtis peut vous amener à plusieurs endroits merveilleux, dont, espérons-le, le Canada. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du système bancaire canadien, de la Banque nationale, mais ça va plutôt être informel sur le système bancaire parce que je pense qu'il arrive des moments où les Français ont une certaine inquiétude à cause des différences entre le système français et le système canadien. Il n'y a pas lieu d'avoir d'inquiétude avec ça, là, je vous rassure tout de suite. C'est pas si compliqué, c'est pas si différent. Et les Français que je côtoie et qui sont mes amis se sont très, très bien adaptés. Il s'agit seulement de passer quelques minutes pour se familiariser avec ça. Puis évidemment, on a une grande équipe de conseillers, nous, partout à travers le Canada, qui peuvent vous accompagner. Je vous dirais que ce qui nous distingue, nous, la banque, et inquiétez-vous pas, ça sera pas une longue publicité de 45 minutes, mais ce qui nous distingue, nous, c'est pas l'objectif, c'est une discussion plutôt informelle, mais ce qui nous distingue, c'est vraiment l'accompagnement des clients, particulièrement les clients nouveaux arrivants qui représentent quand même une bonne partie de notre clientèle, les nouveaux clients, et nous en sommes très heureux. Je veux vous dire d'entrée de jeu que le système bancaire canadien est parmi les plus solides du G7. On est dans les plus grandes banques, on est dans les 6 plus grandes banques au Canada. Alors, on est bien implanté partout. On est très, très solide et ce, depuis plusieurs années. Et ce, malgré la COVID qui nous empoisonne la vie de l'autre côté de l'océan, tout autant que vous. Alors, avec ma collègue de Paris, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, on compare les consignes, puis les couvre-feux, et puis bon, que vous pouvez pas vous voir à Noël, nous, on peut, c'est 18 h, c'est 19 h. Alors, mais somme toute, notre réalité est très, très similaire à la vôtre. Pour ça aussi,
Évidemment, il y a des choses qui sont différentes et vous allez le voir en arrivant chez nous aussi, en souhaitant que le pays choisi parmi les 15 sera le Canada. Je reviens à la Banque nationale. Au Canada, il y a plus de 23 000 employés, plus de 450, mais nous, on appelle ça des succursales. Je sais que dans le langage français courant, vous c'est plus des agences, mais il y en a plus de 450. Petit point quand même, si vous êtes en train de préparer votre projet, parce que ça va arriver, le vaccin va arriver partout, le gouvernement canadien a l'intention d'augmenter le nombre d'immigrants, de nouveaux arrivants à partir du moment où les frontières vont réouvrir. Alors tout ça, votre projet, vous faites bien de le préparer parce que des fois, on perd confiance, mais ça va arriver. Et un de nos atouts, je vous dirais, Banque nationale, c'est que on est présent d'un océan à l'autre. Donc, on a des succursales d'un océan à l'autre et nos 450 succursales sont interreliées. Je m'explique. Vous allez arriver fort probablement à l'aéroport Trudeau à Montréal, parce que vos amis sont déjà là, alors vous allez vous prendre un petit Airbnb sur le plateau et ça va commencer votre aventure. C'est correct, là, je fais juste la petite prédiction. Sauf que peut-être que vous allez vouloir, au cours des années, d'aller un peu comme Julie a fait, aller à l'extérieur du Québec, aller à Toronto pour parfaire l'anglais, pour aller à Toronto ou dans l'Ouest canadien, les montagnes, les rocheuses, je suis certaine, vous en avez entendu parler, c'est magnifique. D'un point de vue économique, il y a des belles opportunités aussi. Bien, la banque, une fois que vous avez ouvert votre succursale, on va dire sur le plateau à Montréal, vous pouvez déménager et vous n'aurez pas à fermer votre compte à la succursale ou à l'agence et réouvrir. C'est pas un projet de vie, ça risque de le devenir, mais pour l'instant, c'est un projet de PVT. Alors, brièvement, je vais vous parler des comptes bancaires. Le compte le plus populaire, là, que tout le monde a chez nous, on appelle ça un compte chèque. Vous, vous l'appelez compte courant. Voyez-vous, chez nous, Julie, tu as gelé deux petites secondes, mais moi, vous continuez de m'entendre. OK. Les plaisirs de l'Internet, que voulez-vous? Pour moi, il est 1h de l'après-midi au Canada. Et il fait pas trop froid, rassurez-vous, janvier cette année est vraiment doux, anormalement doux. Alors, on peut en profiter pour faire beaucoup d'activités extérieures et parce qu'ici, on fait plein de choses. Même s'il y a beaucoup de neige, on peut faire du vélo dehors, on fait du ski, de la raquette, on court, on fait tout dehors, même si c'est l'hiver. Alors, à moins 5, pour nous, c'est doux. Alors, on en profite énormément. C'est un très bel hiver et il est accessible aussi par l'entremise de votre carte de débit parce qu'on va y arriver dans 2 secondes. Ici, vous allez avoir 2 cartes. Vous avez l'habitude d'avoir la carte bleue. Ici, votre carte bleue est scindée en 2 cartes, mais c'est pas extrêmement compliqué pour ça. Donc, avec votre compte courant, vous pouvez faire des versements, évidemment, en espèces. Vous pouvez faire des virements, des dépôts. Tandis que le compte épargne, que vous appelez le compte à livret. Lui, évidemment, vous le connaissez bien. L'objectif, c'est d'y déposer de l'argent en vue d'épargne, en vue de transférer à la famille pour faire des investissements, des projets, aussi des investissements personnalisés avec la conseillère. Il y en a qui décident d'acheter des biens immobiliers, des maisons à la campagne, des cabanes au Canada, etc. Donc, ça, c'est les économies se font ce qu'on appelle, nous, le compte épargne. Et vous, vous l'appelez le compte à livret, mais c'est à peu près la seule différence entre les deux. Et c'est très facile, souvent, évidemment, particulièrement pour les PVTistes, pardon, le compte, les gens conservent un compte dans leur pays, alors c'est facile d'effectuer des virements entre les deux comptes, là, il n'y a pas de souci. Nous, tantôt, je vous ai parlé des 2 cartes. Alors, j'aurais dû les sortir, j'aurais pu vous les montrer, les cartes de Banque nationale. Donc, la carte débit, ça, c'est la carte qui permet l'accès à vos comptes bancaires. Alors, si vous allez dans un guichet automatique, on prend la carte débit pour retirer de l'argent. Si vous faites des paiements directs à l'épicerie, par exemple, si je vais, nous, on a le supermarché ou l'épicerie ou peu importe, on se comprend, vous allez vous comprendre très, très rapidement, mais vous allez au supermarché, souvent, on paye
avec la carte débit, donc paiement Interac, et les fonds sont directement soustraits de notre compte. Donc, souvent, les gens utilisent leur carte de débit pour faire les achats courants, les retraits en espèces dans les guichets automatiques. C'est fait avec la carte de débit, hautement sécurisée. Inutile de vous dire que la sécurité, ben partout, hein, mais la sécurité chez nous, là, c'est donc un NIP, c'est hautement sécurisé. Ce qui est nouveau pour vous, c'est la notion de carte de crédit. La carte de crédit, ben, on est des franchisés, ça peut être Visa, Mastercard, dans notre cas, c'est Mastercard. Elle permet d'obtenir des biens et services et de ne payer qu'à la fin, au mois suivant. Donc, vous pouvez acheter, vous pouvez même choisir de payer votre épicerie avec votre carte de crédit. Vous pouvez acheter tous vos biens et services, quoique en ce moment, tous les magasins sont fermés ici. Mais enfin, ça m'amène aux achats en ligne. Ici, pour faire des achats en ligne, on ne peut pas utiliser une carte de débit. Il faut absolument utiliser une carte de crédit. Et à la fin, évidemment, la carte de crédit aussi a un NIP, un numéro d'identification personnelle à des fins de sécurité. Il y a un montant maximal qui est autorisé, qui varie. Évidemment, quelqu'un qui arrive, qui n'a pas d'historique de crédit, et là, je sais que c'est un nouveau mot pour vous, je vous l'explique dans 2 minutes, mais quelqu'un qui est nouveau dans le système bancaire au Canada et qui n'a pas d'historique de crédit va avoir droit à un montant maximal plus faible qui va augmenter au fil des années. Il n'y a aucun problème, mais c'est déjà une belle amélioration parce qu'il n'y a pas si longtemps, quand un nouvel arrivant arrivait ici, étant donné qu'il n'y avait pas d'historique de crédit, il ne pouvait pas avoir accès à une carte. C'était comme, puis là, il ne pouvait pas bâtir son historique de crédit. Donc, c'était comme un gros problème qui a été réglé chez nous. Alors, d'entrée de jeu, les gens arrivent, ils ont droit à une carte de crédit avec évidemment un solde, un montant maximale à dépenser plus faible. Ça m'amène à vous parler du crédit, du système bancaire au Canada, en fait aux États-Unis aussi et dans plusieurs pays dans le monde, c'est basé sur le crédit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des organismes indépendants comme TransUnion ou Equifax, par exemple, qui n'appartiennent pas à la banque, là. TransUnion, Equifax, ce sont des organismes complètement indépendants qui maintiennent un dossier sur chacun d'entre nous qui sommes actifs au niveau du crédit. Donc, de façon générale, on devient actif quand on a notre première carte de crédit. Donc, de façon générale, au Canada, c'est à l'âge de 18 ans. Donc, à partir de l'âge de 18 ans, on a un dossier au bureau de crédit où est-ce qu'ils accumulent... Ah là, vous vous familiarisez aussi avec mon accent. Là, j'essaye de mieux parler, mais c'est plus fort que moi. L'accent québécois, je vous le dis tout de suite, il est différent. Que voulez-vous? Avec les siècles, on s'est comme développé un vocabulaire légèrement différent. Puis c'est très amusant de comparer avec le vôtre. Mais bon, c'est la langue de chez nous, comme dirait Yves Dupin. Alors, je reviens à TransUnion Equifax. Ils ont un dossier. Alors, on va prendre moi. Ils ont un dossier sur moi. Et ils ont différents critères, mais ils ont des critères quantitatifs, ma valeur nette, combien je possède, ma capacité de remboursement, etc., etc. Et ils ont des critères, ce qu'on appelle qualitatifs, ma stabilité d'emploi, comment je rembourse les paiements que j'ai à faire, ce qu'on appelle le pointage FICO. En anglais, les gens utilisent beaucoup d'anglicisme ici, mais vous aussi d'ailleurs, on l'appelle le Beacon Score. Alors, le pointage FICO, c'est une note qui vous est donnée. Alors, peut-être en arrivant, vous allez avoir, on va dire, 550, la note. Et au fil des mois, plus vous allez bien rembourser, plus vous allez ne jamais accumuler de retard dans vos remboursements. Ça ne veut pas dire de ne pas utiliser la carte, au contraire. Ça veut dire de rembourser en temps et votre cote FICO va augmenter. Et cette cote-là fait partie du dossier de crédit, finalement votre bulletin. On a chacun un bulletin avec l'information personnelle, notre cote FICO et il y a un autre critère aussi qu'on appelle la cote R. Qui R pour retard. Donc, quand on est un R1, on est quelqu'un qui paye toujours en temps tout ce qu'on a à payer. Ça peut être
Alors, ben, je vais retourner un pas en arrière. Alors, on va imaginer notre bureau de crédit, notre dossier de crédit. Ça, c'est le mien. Là, il est blanc. Là, je ne vous raconterai pas ma vie. Il y a des limites à être sympathique. Alors, c'est mon dossier de crédit. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'à chaque fois que je rembourse ma MasterCard, bien, il y a de l'information qui s'en va au bureau de crédit. Oh, Sylvie a remboursé en temps. C'est du positif. À chaque fois que je paye mon cellulaire, que je paye même l'électricité ici, c'est Hydro-Québec, à chaque fois que je paye en temps, au moment opportun ou avant, évidemment, ça s'en va s'accumuler comme information sur mon bureau de crédit. Ce qui fait, évidemment, si jamais j'avais des retards, là, ça irait s'afficher aussi sur mon bureau de crédit. Et après, si je veux m'acheter une voiture ou une maison à la montagne et j'ai besoin d'une hypothèque, parce qu'il y a des belles cabanes au Canada ici, j'ai besoin d'un prêt, les institutions bancaires, Banque nationale ou les autres, Banque royale, Desjardins, ce qu'ils font pour savoir qui je suis, ils vont aller consulter mon bureau de crédit et voir jusqu'à quel point je suis une repayeuse disciplinée. Ils vont voir ma note et dépendamment de ma note et de mes habitudes, si j'ai pas de retard, ils vont me faire une offre. Alors, si j'ai un beau bulletin parce que je suis une bonne repayeuse, bien là, toutes les institutions bancaires vont vouloir faire affaire avec moi. Ils vont même redoubler d'efforts pour me donner des bons taux et tout ça. Donc, on garde ça toute notre vie, notre bureau de crédit. Plus les années passent, évidemment, plus on a un historique, donc la note monte. Il y a des gens qui ont 800, 900 de pointage FICO. Et au fil des années, ça va augmenter. Il y a différents critères pour augmenter le pointage FICO, mais de façon générale, à ce stade-ci, je pense que tout ce que vous avez à savoir, c'est qu'il faut payer en temps et il faut utiliser la carte aussi. Ça peut avoir l'air étonnant. Mais moi, j'ai des grands-enfants. Alors, quand ma fille a eu 18 ans, elle a dit, ah, maman, je vais aller chercher une carte de crédit, mais je ne l'utiliserai pas. Là. Je ne veux pas utiliser le crédit. Vous m'entendez toujours? Excusez-moi, j'attendais de voir si Sylvie revenait parmi nous. OK. Ce que je vais faire, c'est que en attendant que Sylvie revienne, je pense qu'elle va revenir. Ouais, je vais faire ce que je voulais vous dire. J'ai des petites choses à vous dire moi aussi. Et puis comme ça, après, vous pourrez retrouver son joli accent quand elle sera de retour. Alors, quelqu'un nous demande si l'enregistrement sera disponible. Oui, ça va rester en replay dans la foulée de la présentation. Donc voilà. Alors, concernant les quelques petites informations, parce que quand on parle de banque, on parle d'argent, je voulais rappeler que quand on part en PVT, en stage et en permis jeune professionnel au Canada, donc avec un permis EIC, on doit avoir des économies minimum sur son compte et ces économies, elles sont fixées à 2 500 $ canadiens. J'ai vérifié tout à l'heure, en euros, c'est environ 1 600 €. Pour les Belges, pas du tout pour les Belges, pardon, pour les stagiaires, si vous faites un stage non rémunéré, il faut prévoir des économies supplémentaires pour subvenir à vos besoins pendant toute la durée de votre stage. Mais en tout cas, sachez que ces 2 500 $ d'économies, c'est un minimum. C'est vraiment à vous d'estimer votre budget en fonction de votre projet. Est-ce que vous pensez faire un PVT si vous partez en PVT nomade ou sédentaire? Dans quelle ville vous pensez partir? Parce que le coût de la vie varie très, très grandement au Canada. C'est pas du tout la même chose si vous allez vivre dans la ville de Québec ou si vous allez vivre dans la ville de Vancouver, par exemple. Donc, on va vous mettre en lien un dossier sur PVTIS qui s'appelle « Le coût de la vie au Canada », qui peut être une très bonne lecture pour vous. Autre chose qui peut varier, c'est est-ce que vous avez l'intention d'acheter un véhicule, par exemple, quand vous arrivez, notamment si vous voulez voyager. Sachez que vos 2 500 $ pourraient partir pour être engloutis dans l'achat d'une voiture. Donc voilà, votre budget, c'est à vous de l'estimer en fonction de votre projet. 2 500 $, c'est pas beaucoup. Déjà, en temps normal, moi, je trouve que partir en PVT Canada avec 1 600 €, c'est pas des masses. Autant aujourd'hui, bon, là, ceux qui arrivent à partir au Canada aujourd'hui, ils ont déjà un emploi. Donc, c'est un petit peu différent. Mais quand les frontières canadiennes vont rouvrir et que vous pourrez partir valider votre PVT sans avoir un emploi, ça vaudra vraiment le coup d'avoir plutôt 2 500 €, 3 000 €, 3 500 €. Des sommes qui sont quand même plus élevées, surtout si vous allez dans les coins pas donnés du Canada, comme Toronto ou Vancouver, par exemple. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Je pense que Sylvie va revenir à un moment donné. Et moi, comme ça, je peux continuer à vous dire ce que j'ai à vous dire.
Sachez que les 2 500 $ que vous devez avoir comme économie, vous allez devoir en fait, si l'agent d'immigration qui vous accueille vous le demande, et c'est le cas peut-être pour 2 personnes sur 3, statistiques pas fiables, mais c'est grosso modo ça, l'agent d'immigration qui vous accueille, il peut vous demander votre passeport, votre lettre d'introduction, votre assurance PVT-EIC et un relevé de compte de moins d'une semaine. Ce relevé de compte, il peut être français, il peut être belge, mais il peut aussi être canadien si jamais vous avez ouvert votre compte à la BNC ou même dans une autre banque avant votre départ. Voilà, imaginons que vous avez ouvert votre compte à l'avance, vous avez lancé un transfert d'argent, vous pouvez tout à fait partir au Canada avec une preuve d'argent sur un compte canadien. Vraiment, c'est comme vous voulez. Pensez toujours sur votre compte français ou belge à garder des économies supplémentaires juste au cas où. Généralement, je conseille d'avoir l'équivalent d'un billet retour. On ne sait jamais s'il y a une urgence, que vous n'avez plus beaucoup d'argent au Canada et que vous devez rentrer pour une raison X ou Y, vous aurez de l'argent sur votre compte dans votre pays d'origine pour vous payer ce billet retour et faire ce voyage dont vous avez vraiment besoin. Voilà, ça coûte rien. Dites-vous que c'est de l'argent qui n'existe pas. Il est juste là au cas où, en cas d'urgence. Sachez qu'au Canada, les PVTistes et les jeunes professionnels, parce qu'on me pose souvent la question, hein, c'est pour ça que j'en parle, ils n'ont pas l'obligation d'ouvrir un compte en banque, mais c'est vraiment recommandé, dans le sens où si vous voulez toucher vos salaires, c'est important d'avoir une banque canadienne, sinon votre employeur ne va pas vouloir vous faire à chaque fois un virement à l'international. Donc, PVTistes et jeunes pros, c'est systématiquement une ouverture de compte qui est faite. Pour les stagiaires, c'est aussi le cas si votre stage est rémunéré. Par contre, si votre stage n'est pas rémunéré, c'est vraiment à vous de voir, même si ça peut être pertinent quand même d'ouvrir un compte en banque quand on arrive au Canada parce que ce sera plus facile pour vous pour payer votre téléphone mobile, votre Internet ou votre facture d'électricité, par exemple. Il existe plusieurs banques au Canada. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait cette présentation avec la Banque nationale du Canada, mais il existe plusieurs banques. Le gros atout de la BNC, hein, la Banque nationale, c'est que, comme vous le disiez Sylvie tout à l'heure, ils sont partout au Canada. Donc, c'est l'idéal pour vous, où que vous alliez, et également pour les PVTistes nomades. Parce que quand une banque est présente que dans une province, si vous avez l'intention ensuite de voyager ailleurs, vous devrez changer de banque. Là, au moins, vous avez la même banque pour tout votre PVT. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être que vous n'étiez pas là, la Banque nationale du Canada non seulement vous propose jusqu'à 3 ans sans frais bancaires, donc super intéressant, mais également via PVTiste, on vous a sans doute mis le lien tout à l'heure, vous avez le droit de bénéficier de 50 $ quand vous finalisez votre ouverture de compte. Quand vous arrivez au Canada, pour ça, il faut bien passer par le lien qu'on va vous donner et vous aurez vos 50 $ en arrivant. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, donc ma partie se termine. Je vais essayer de voir peut-être si Sylvie m'indique si elle peut-être, est-ce qu'elle me voit toujours peut-être? Bon, peut-être que je vais commencer à regarder vos questions en attendant peut-être qu'elle arrive. J'y crois. Alors, pour quelles dépenses doit-on utiliser sa carte de crédit? C'est vrai que moi, je fais partie d'un temps, comme dirait Aznavour, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il n'y avait pas de carte de crédit pour les PVTistes. Ça a bien changé, heureusement pour vous. Maintenant, vous pouvez en avoir une si vous le souhaitez. Ce qu'il faut savoir, c'est que la carte de crédit, donc, c'est bien de l'utiliser pour à peu près tous nos achats dans les magasins, les restaurants, pour payer ses dépenses en ligne, etc. Puisque, comme vous le disiez Sylvie, à chaque fois que vous utilisez votre carte, ça la fait fonctionner. Ensuite, vous devez vous auto-rembourser, faire un virement de votre compte débit jusqu'à votre compte crédit. Et ça montre que oui, vous achetez des choses, mais oui, vous les remboursez dans les temps. Vous êtes quelqu'un de fiable. Parce que je crois que Sylvie ne l'a pas dit, c'est vrai que nous, quand en France, on a ce système-là, pour qu'une banque nous offre un crédit un jour, il faut quand même prouver qu'on a, par exemple, un CDI. Ça, au Canada, c'est quelque chose qui est beaucoup moins fiable pour une banque. Oui, il y a des emplois temporaires et oui, il y a des emplois permanents, mais en réalité, on part d'un poste et on se fait virer d'un poste beaucoup plus de façon plus fluide au Canada. Donc, un employeur, un banquier ne peut pas simplement se baser sur le fait qu'on a un CDI. Donc, c'est bien d'avoir cette preuve. Ah, je pense qu'on va revoir Sylvie. Voilà, si tu veux reprendre, tu as vu un petit peu où tu avais coupé ou pas? Non, j'ai pas, je pensais que je continuais. Alors, Ouais, tu étais sur FICO, t'expliquais les pointages, que les gens avaient des 900, etc. Et justement, une question qui est pertinente, c'est que tu disais tout à l'heure que c'était utile pour faire un crédit à la banque. Mais j'imagine exact. aussi qu'on peut te demander, vérifier ton historique de crédit dans d'autres contextes. Par exemple, pour un logement ou un emploi, c'est quelque chose qui se fait.
Exactement. Ah, c'est dommage, j'avais raconté ça effectivement. Alors, ce que je racontais, je ne sais pas si vous aviez vu mon bureau de crédit à moi, mon dossier de crédit à moi. Alors, moi, à chaque fois que je repaie ma carte de crédit, ça vient mettre des notes à mon dossier de crédit. Et par la suite, dépendamment de mes projets, si je veux m'acheter une maison, si je veux louer une voiture, acheter une voiture, bien le prêteur, que ce soit une banque ou une compagnie d'assurance pour des assurances, va venir consulter mon bureau de crédit et va voir un peu jusqu'à quel point je suis un repayeur discipliné et que j'ai une belle cote FICO et tout le monde va vouloir me redoubler le d'ardeur pour me faire des belles offres bancaires. Évidemment, il faut absolument obtenir la signature de la personne avant d'aller consulter son bureau de crédit. C'est un document qui est hautement confidentiel. Alors, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, Julie, c'est un bon point. Ici, au Québec et au Canada, souvent, pour s'assurer que le locataire est un bon repayeur, le propriétaire aussi va demander l'autorisation d'aller consulter le bureau de crédit. Donc, c'est notre réputation. C'est pour ça que c'est important de comprendre un petit peu la mécanique. Puis, c'est important d'en prendre soin de notre petit bureau de crédit et de même d'aller le voir soi-même à l'occasion. Très bien. Ouais. Effectivement, pendant que j'attendais que tu te reconnectes, quelqu'un demandait quels achats il faut faire avec sa carte de crédit. Et donc, j'expliquais que c'était à peu près tout. Par contre, il n'est pas recommandé de retirer de l'argent avec sa carte de crédit. C'est bien ça? Non, non, effectivement, tu as raison. Les retraits, on ne les conseille pas parce que les frais sont plus élevés. Ce n'est pas nécessaire. Les achats à faire pour la carte de crédit, c'est certain qu'il y en a qui sont de l'école où tous les achats du mois, ils vont le mettre sur la carte de crédit de façon à obtenir des points récompense. Et à la fin du mois, on le rembourse. Sachez que même si vous ne remboursez pas la totalité, si vous le remboursez en temps, ça, c'est assez pour augmenter votre bureau de crédit. Maintenant, ça, c'est à voir les taux à partir du moment où on est dû pour rembourser, les taux d'intérêt sont assez élevés. Donc, c'est pas recommandé de garder des soldes élevés sur la carte parce qu'on parle de taux qui peut varier entre 17 et 22 alors que pour une marge de crédit, ça peut être dans les, je sais pas, je vais dire entre 3 et 5 Alors, c'est pas judicieux comme choix, mais il y en a qui peuvent le faire, effectivement. Si j'ai été coupée à FICO, c'est dommage. Je vais vous répéter que dans l'offre bancaire, mais Julie, si tu permets, Julie, l'offre bancaire, tu l'avais très bien décrite. Alors, c'est 3 ans gratuits avec plein d'autres avantages, dont évidemment la carte de crédit, l'accès au crédit, un coffret de sûreté, des chèques, etc., etc. Mais ça vous donne, donc la façon dont ça fonctionne, ce qu'on privilégie, c'est 3 mois avant votre arrivée. Vous ouvrez votre compte en ligne dans les 3 mois qui précèdent votre arrivée. Donc, il y a un conseiller qui va vous être assigné, un conseiller ou une conseillère qui va vous être assigné, qui va pouvoir vous aider avec les questions financières. Donc, ça fait toute partie de notre offre d'accompagnement qui nous distingue. Je vois les questions, je vois est-ce qu'il est possible d'ouvrir un compte à la Banque nationale à distance. Oui, effectivement, je viens de tout juste de répondre à ça. Alors, les grands esprits se rencontrent. Exactement. Du coup, oui, si tu veux. Si tu as terminé, je peux regarder les questions qui nous ont été posées. Est-ce que tu as dit tout ce que tu voulais par rapport à l'ouverture de compte? C'est très simple. En fait, le seul point, si tu permets, que j'ajouterais, c'est que l'ouverture de compte, oui, c'est sur bnc.ca, qui est notre site web. C'est facile d'accès, puis on va dans la section nouveaux arrivants, ouvrir un compte en ligne. Quelques questions, pas très compliquées. Puis par après, évidemment, une fois arrivé au pays, vous allez voir physiquement la personne pour attitrer pour votre passeport, les documents d'immigration. Mais je pense que je vous recommanderais aussi à tous les PVTistes qui nous écoutent, qui ont un beau projet, d'aller voir aussi bnc.ca, notre contenu. Votre contenu chez PVTistes est vraiment excellent. Je m'y réfère moi-même. Mais le contenu chez bnc.ca, c'est vraiment pertinent aussi. Si vous avez du temps dans votre projet, ça vaut la peine d'aller voir notre section immigrés.
Alors, il y a quelqu'un qui nous demande si, alors on commence par l'ouverture de compte et on va finir par la fermeture. Est-ce que c'est facile de fermer son compte à distance une fois qu'on a fini son PVT et qu'on est rentré en France pour résilier sa carte de crédit? Fermer son compte, oui, mais pour essayer sa carte de crédit? Résilier pour la stopper. Ah oui, résilier, oui. Mais normalement, les gens font ça quand ils sont encore au Canada, mais oui, ça peut se faire à distance aussi, oui. D'accord, bon, très bien. Ensuite, on nous demande comment se passe le transfert des sommes entre les banques françaises et canadiennes. Alors, il y a plusieurs façons hein, de faire. Soit on fait de banque à banque, soit on passe par un organisme de type TransferMate qui fait des transferts d'argent. Voilà, il y a plusieurs techniques. Le mieux, c'est d'essayer de comparer un petit peu, si possible, à 5 minutes d'intervalle, les différentes choses qui vous sont faites, parce que je crois que ça change les taux de change toutes les 20 secondes, quelque chose comme ça. Donc, si vous comparez le lundi et le vendredi, vous aurez des offres différentes, c'est normal. Donc voilà. Pour le premier virement avec vers la BNC, il me semble qu'il faut faire un virement banque à banque, hein, si je ne dis pas de bêtises. Le premier est gratuit, effectivement. Mais en ce moment, Julie, parce que les frontières sont fermées, c'est pas possible d'ouvrir le compte à distance ou de faire le télévirement. Pour l'instant, ça, c'est pas en vigueur, mais dès que les frontières vont réouvrir et on a tous hâte, ça va être effectivement le cas dans les 3 mois, un télévirement gratuit. D'accord. OK, très bien. Est-ce qu'il est possible d'avoir un compte en banque pour deux? Nous sommes un couple qui, bossant le plus souvent en bénévolat, on nous a conseillé d'ouvrir un seul compte car nous sommes toujours tous les deux. Oui, ça peut être un compte. On appelle ça un compte conjoint. Aucun problème. Oui, tout à fait. Est-ce que nos antécédents bancaires français peuvent être utilisés pour avoir une meilleure cote? Non. Non. Malheureusement. Malheureusement, oui, j'espère. Il y a des cas très rares au niveau entreprise, quand c'est des gros projets, là, ils vont aller consulter, mais sinon, non. D'accord, merci Sylvie. Je suis à la recherche d'un logement et la plupart réclament... Ah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et la plupart réclament une enquête de crédit. Qu'est-ce que je dois fournir au propriétaire comme document? Est-ce que c'est un relevé de crédit, le bureau de crédit? Quel document? Oui. En fait, c'est la responsabilité du propriétaire de vous donner un formulaire à que vous allez signer l'autorisant à aller consulter votre bureau de crédit. Et ils sont habitués, alors vous n'avez rien à fournir. D'accord, impeccable, superbe. Quelqu'un demande, alors pour confirmer, carte de crédit égale débit différé? Pas exactement, parce que... vous n'êtes pas obligé de rembourser la totalité. Alors, je vais prendre un exemple. J'achète une magnifique robe de 500 $ le 15 janvier. Bien, le 30 janvier, je vais recevoir mon relevé. Et là, on va me dire, ben, Sylvie, le 21 février, tu dois rembourser au minimum 40 $. Le paiement minimum est très faible et je dois rembourser au minimum 40 $. À partir de ce moment-là, c'est moi qui décide combien je veux virer entre 40 et 500 $. Ce qui est important au niveau du bureau de crédit, c'est de payer le minimum, le 40 $. D'un point de vue financier, c'est pas heureux parce que les taux d'intérêt sont trop élevés, mais c'est vous qui décidez à quelle hauteur vous voulez rembourser. Donc, c'est pour ça que les cartes de crédit, certains consommateurs accumulent des soldes très élevés. Parce qu'on n'est pas obligé d'en acquitter la majorité. Mais vous savez, moi, dans mon ancienne vie, je faisais de l'éducation financière dans les universités auprès des jeunes et même un peu avant l'université qui commençaient avec le système bancaire. Et puis, je leur disais, si vous achetez une télévision de 3 000 $ et vous ne payez que le minimum requis sur vos relevés, votre télévision va vous coûter genre 2 fois le prix. Alors, parce que les taux d'intérêt sur la carte de crédit sont très élevés. Donc, c'est un peu différent du crédit différé. Tout à fait, parce que c'est vrai que moi, j'ai une carte comme ça, crédit différé. C'est juste que nous, on voit que la somme, elle est retirée plus tard. Il n'y a pas besoin d'action de notre part. Alors non. Crédit, on doit faire quelque chose, même si je crois que ça peut être automatisé tout ça, mais oui. C'est quand même différent. Et il y a quelqu'un qui répond du coup, mais du coup, comment et quand on doit payer le reste de la robe, les 460 $ qui restent?
Il y en a que ça leur prend du temps, mais le mois suivant, alors là, le 21 février, je rembourse 50 $ sur la robe parce que, bon, j'ai moins de sous ce mois-ci, parce que c'est après Noël, je rembourse seulement 50 $ Là, les intérêts commencent à courir sur le 450 à partir du moment de l'achat. Alors, il faut quand même penser à ça. Et là, le mois suivant, le fin février, là, j'ai perdu mes dates, mais fin février, je vais recevoir un nouveau relevé. Et là, ça va écrire solde précédent 450 plus les achats de mon mois courant, on va dire 100 $ Et là, je vais être rendue à 550 et c'est moi qui vais décider. Tu as raison, Julie. Il y en a qui disent d'entrée de jeu, payer automatiquement le solde total de ma carte, mais au Québec, au Canada, malheureusement, la grande majorité des gens n'acquittent pas le solde au complet. Puis c'est pas avantageux de faire ça. Mais il y en a, surtout des collègues à la banque, moi, tout ce qu'ils achètent, même un petit café, ils vont l'acheter avec leur carte de crédit pour avoir un plus gros solde possible pour avoir des points récompenses. Les points récompenses, après, on peut les utiliser pour payer notre solde de carte. Ça peut nous donner des points voyage ou ça peut nous donner des objets de luxe. Alors, il y en a qui accumulent religieusement des points récompenses. Puis, c'est facile. On a seulement à tout acquitter nos paiements parce qu'on peut même payer notre cellulaire. On peut payer beaucoup, beaucoup de choses avec une carte de crédit. Alors, ils sont bien rusés, ces gens qui font de cette façon-là. Ils accumulent beaucoup, beaucoup de points. Mais du coup, c'est là que vous vous rendez compte que même si vous allez au Québec, vous n'êtes pas en France et vous n'êtes pas en Belgique, vous êtes en Amérique du Nord, avec un système bancaire très différent, non, mais fondamentalement différent. On est beaucoup sur du crédit. Quand chez nous, je ne sais pas pour la Belgique, mais en France, on a un peu peur du crédit. Pour nous, le crédit, c'est pour une maison ou un appartement, éventuellement pour une voiture, mais on a un peu du mal à prendre des crédits, enfin, à utiliser le crédit pour autre chose. Et c'est pour ça qu'il y a sans doute des gens qui doivent être un petit peu les yeux ébahis devant ce que tu dis, parce que c'est un fonctionnement quand même assez différent. Si vous ne voulez pas changer vos habitudes, faites en sorte de payer votre robe à 500 $ à chaque fois que, enfin, rembourser directement les 500 $ de votre banque. Comme ça, vous accumulez pas du crédit, quoi. C'est important de comprendre le fonctionnement, mais vous pouvez jouer sur les règles canadiennes en utilisant beaucoup votre carte. Ça vous fera plein de points. Et en même temps, ne pas tomber dans les taux qui sont très élevés, qui vont vous coûter plus cher qu'autre chose. Voilà, ça va être ça. J'ai encore des fibres françaises parce que je suis pas très friande de l'utilisation du crédit, moi non plus. Mais il y a beaucoup de circonstances ici, entre autres les achats en ligne. On les fait seulement avec notre carte de crédit. Alors, le crédit, quand il est utilisé intelligemment, peut être notre ami. Mais je comprends très bien la petite crainte puis la perception à première vue de par rapport au crédit. Et c'est très bien, c'est très, très bien conserver cette philosophie-là en arrivant au Canada. Oui, du moment qu'on comprend, qu'on a compris les règles du jeu, on peut très bien servir du crédit. Si on ne les a pas bien comprises, on peut en payer, à payer cher. Enfin, c'est juste ça. Exactement. Il faut seulement comprendre le jeu. À partir de ce moment-là, je vais vous reparler des Canadiens de Montréal parce que vous pouvez arriver voir un match. Je vous l'ai dit, il recommence ce soir, mais vous ne pourrez pas y aller. On ne peut pas y aller physiquement. Remarquez, je ne suis pas une grande fan de hockey. Mon conjoint l'est. Mais là, le Canadien... Vous allez arriver au Centre Bell, puis ils vont dire, ah, si vous prenez la carte du Canadien, on va vous donner un chandail ou une serviette du Canadien. Et là, les gens, ceux qui connaissent pas bien le système vont dire, ah oui, puis ils vont accumuler trop de cartes de crédit, puis là, c'est pas bon. Mais la personne qui comprend les règles du jeu, puis j'ai seulement une carte, j'ai fait aucune demande dans mon système, dans mon bureau de crédit depuis un an. Je vais m'amuser, ça coûte rien. Je sais, je connais les règles du jeu, alors je peux me le permettre, puis je vais avoir mon gilet du Canadien. C'est comme faire un budget. Quand on sait où on va, c'est beaucoup plus rassurant, puis on peut en profiter. Exactement. Je me demande si on a plus ou moins répondu. Quel est le temps de remboursement maximal pour un achat réalisé avec une carte de crédit? Est-ce qu'il diffère selon les achats? Non, pas du tout.
C'est un solde. Le montant, tous les frais qui ont été encourus durant le mois sont listés sur un relevé mensuel. Et puis, il y a un total. Alors, on va reprendre dans mon cas 500 $. Il y a un paiement minimum. Alors, à la fin du mois, la personne choisit entre le paiement minimum et 500 $. Combien repayer, mais tout est additionné. Il y en a qui payent leur cellulaire, les gens payent toutes sortes de choses avec la carte de crédit, mais la nature du frais ne change rien. J'ai fini sa phrase. Par contre, imagine, non. Si j'achète quelque chose le 29 janvier, j'ai pas que jusqu'au lendemain, enfin jusqu'au surlendemain pour payer. C'est quoi? C'est un mois? C'est 20 jours? Oui. Si tu fais l'achat le 29 janvier, tu vas recevoir ton relevé en février. Puis là, ils vont te donner 21 jours. Alors, ne serait-ce que pour ça, il y en a qui se disent, ben, c'est un cadeau, on n'a pas, mais les taux d'intérêt en ce moment sont plus faibles. Mais non, parce que tant aussi longtemps que le montant n'est pas dû, c'est libre d'intérêt. D'accord. OK. Merci pour cette précision. Y a-t-il des accords entre les banques pour faciliter les transferts entre les comptes? Il me semble qu'il y a en France. Oui. La BNP, je crois, avec la banque Scotia. Mais n'oubliez pas, donc, comme le disait Sylvie, qu'il y a un transfert offert via la BNC. Et puis, n'hésitez pas à comparer avec, comme je vous disais, avec les transfert mate, etc., les meilleures choses. C'est-à-dire que si vous avez une banque qui a un partenaire au Canada, ça peut être une option pour vous. Mais il faut voir si elle fait une aussi bonne offre éventuellement que la BNC ou que d'autres banques. Si vraiment son transfert est intéressant. Tout ça, c'est un petit calcul de choses à voir pour voir si ça vaut le coup d'aller chez cette banque-là ou pas, voir si elle est très présente sur le territoire canadien selon où vous voulez aller. Mais oui, il existe des accords et puis n'hésitez pas à contacter votre banque pour voir, elle vous le dira. Il n'y a aucun souci. Chaque consultation par une tierce personne de notre bureau de crédit fait baisser la cote de crédit, vrai ou faux? Oh, on a des auditeurs avisés. Oui, ça, évidemment, on revient à mon bureau de crédit. Si je cherche une maison et que j'autorise une institution bancaire à aller voir mon bureau de crédit, ça fait de façon commune, on appelle ça un hit, une consultation. Et c'est vrai que quand il y a trop de consultations qui sont faites dans une courte période, ça montre que la personne est très, très avide pour obtenir du crédit et ça peut faire baisser le bureau de crédit. Maintenant, on parle de au moins 4, donc c'est pas tout le monde qui fait 4 consultations de crédit. Et il y a quand même des systèmes mis en place. Comme par exemple, si vous magasinez une assurance automobile, puis que vous appelez 4 compagnies d'assurance, le système voit très bien que vous êtes à magasiner. Parce que souvent, au téléphone, la compagnie d'assurance, avant de vous faire une offre, va vous dire est-ce que vous nous permettez de consulter votre bureau de crédit? En fait, ce sont à peu près les seuls qui le font, l'autorisation téléphonique, et ils se permettent d'aller consulter votre bureau de crédit. Mais là, le système de Equifax et TransUnion est prêt. Ils savent très bien que la personne, en réalité, ça revient à une consultation. Et oui, effectivement, c'est un fait. Il ne faut pas y avoir trop de consultations. Et tant qu'à être dans le sujet des consultations, ce qu'on appelle communément des HIT, HIT, tout comme vous, on utilise des expressions anglophones, si vous allez consulter votre propre bureau de crédit, ce n'est pas une consultation, ça ne compte pas. D'accord. C'est très intéressant tout ça. Tu vois, c'est des choses auxquelles je n'avais jamais pensé. J'ai vu qu'avec une carte de crédit, on peut avoir du cashback de 1 ou 2%. Est-ce que c'est exact? Comment ça se passe? Chaque carte de crédit est différente. Donc, et puis, il y a une concurrence terrible. Alors, chacun y va de sa carte voyage. Comme par exemple, nous, on a la Elite Mastercard. Et là, on a un crédit, si on veut, un surclassement pour les sièges. Bien là, elle coûte un petit peu plus cher. Là, c'est des choix. Mais si on veut, on a un crédit pour le stationnement à l'aéroport. Les points, on peut les transformer en points voyage. Il y en a d'autres que oui, c'est des cashbacks. Il y en a que c'est plus pour les restaurants. Il y en a. Donc, il y a une panoplie de cartes de crédit. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais effectivement, ça existe, la formule cashback. Nous, on l'a pas, mais
Mais oui, ça existe. Sauf que chez nous, si vous avez la carte Mastercard Platine ou Elite ou peu importe laquelle, vous avez toujours, quand vous allez sur votre téléphone, voir bnc.ca, bien, si vous regardez votre solde de carte de crédit, vous voyez votre solde de points aussi. Puis, il y a toujours la possibilité d'acquitter une partie de notre solde avec les points. Je sais pas si je suis claire, là, mais tu sais, comme disons, moi, en ce moment, ça me donnerait 200 $. Je pourrais utiliser mon 200 $ pour rembourser ma carte de crédit. Oui. Ce qui est là, tu le gardes pour un futur voyage. Quelqu'un demandait à quoi servent les points récompenses. En fait, ça dépend. Ça peut être pour s'acheter des voyages, des cadeaux. C'est des récompenses, en fait. Oui, yeah. Exactement. Il y a un catalogue. Chaque compagnie a des catalogues. Nous, il est vraiment beau. Il y a des articles de cuisine haut de gamme, des bijoux, des cartes cadeaux dans des divers grands magasins. C'est comme chez nous, les magasins Labbé. C'est pas comme les galeries Lafayette. C'est comme un peu moins haut de gamme. Il y a de tout. Mais enfin, c'est un grand magasin. On peut s'acheter une carte Labbé. On peut ou aller acheter quelque chose puis utiliser nos points pour rembourser notre carte. Ou ce que plusieurs font, souvent les gens gardent leurs points pour des voyages. C'est comme un rêve, là. C'est comme parce que ça va revenir, on va recommencer un jour à voyager. Et surtout les PVTistes et les nouveaux arrivants, ils retournent à la maison, ils retournent faire des visites. Nous, il y a beaucoup de personnes d'origine française à la Banque nationale. Puis, c'est certain que ça fait partie de leur quotidien là, de planifier le prochain voyage. Puis... Exactement. Sylvie a suggéré une ouverture de compte 3 mois avant l'arrivée sur le territoire. Pourquoi? c'est la règle. C'est ce qu'on demande. C'est-à-dire que c'est dans les 3 mois précédant l'ouverture que les gens ouvrent le compte parce que là, c'est concret. Puis tout ça, parce qu'après, sinon, vous voyez ce qui est arrivé là avec la fermeture des frontières puis tout ça. Ça fait qu'on recommande 3 mois, c'est quand même assez long, mais on recommande de le faire à l'avance pour pouvoir faire son télévirement, avoir le conseiller ou la qui peut répondre à des questions, qui est prête à accueillir. Ils sont contents d'avoir un point d'attache à quelque part. Quelqu'un qui les attend, finalement. Bien, on vous attend tous, là, mais quelqu'un en particulier. Bien sûr. Bon, après, c'est vrai que si quelqu'un prévoit de partir dans 2 mois, tu peux tout à fait ouvrir ton compte aujourd'hui. Oui. Disons. Oui. Demande, la Banque nationale est-elle disponible en Colombie-Britannique à Vancouver? Oui. Partout, on vous a dit. Oui, mais on a des succursales partout au Canada. Si vous allez à Vancouver, la réponse est oui. Si vous allez dans une petite ville dans le nord pour aller voir les Inuits ou pour aller à la montagne, ben on n'a pas nécessairement des succursales partout, mais c'est pas grave, là. Mais pour Vancouver, c'est une grande ville, une magnifique ville. Alors, oui, la réponse est oui. Et c'est vrai que c'est une très bonne question. En fait, c'est important de choisir une banque qui est bien là, qui est bien implantée là où on va, parce que quand on retire de l'argent dans les distributeurs des banques concurrentes, on paye des frais sinon. Oui. Donc, d'où l'intérêt de prendre une banque présente là où on se rend. D'accord, merci. Alors, les taux d'intérêt sont-ils fixes? Le taux est-il déterminé en fonction de notre cote FICO? Je pense que c'est pour un achat. Les taux d'intérêt des crédits, ouais. Est-ce qu'ils sont fixes ou pas? Pour la carte de crédit, le taux d'intérêt est fixé. Ça fait partie de la 18,9 et c'est pour tout le monde. Quand on parle, par contre, de crédit immobilier, si vous avez une excellente cote FICO, il y a fort à parier que le conseiller va vous faire une offre un petit peu plus avantageuse. De toute façon, les taux sont tellement peu élevés en ce moment. Et je pense qu'il y avait la question, est-ce que les taux sont fixes ou variables? Bien, quand on prend du crédit immobilier, vous prenez votre décision. Il y a la possibilité de geler son taux pour 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 5 ans, ou d'obtenir un taux variable qui est le taux de base, le taux directeur de la Banque du Canada, plus 1%, par exemple. Et là, le taux varie en fonction du taux de base. Oui, je crois que ça n'existe plus chez nous, les taux variables. Je ne suis pas très sûre pour l'immobilier, mais je sais que ça existait pendant un temps.
effectivement. Avec 5000 euros, est-ce que c'est suffisant pour tenir 3 mois au Québec avec un stage rémunéré? C'est une question, voilà, qui est moins banque, mais qui est plus budget. Je dirais que oui, c'est pas mal parce que si le stage est rémunéré, ça veut dire que ça va couvrir certainement ton loyer et ta nourriture. Et donc, 5000 euros pour en profiter, faire du traîneau à chien, de la motoneige, etc. Je parle de l'hiver, mais tu viens peut-être pendant l'été. Donc voilà, il y aura d'autres activités si tu viens pendant l'été. Mais ouais, 5000 euros, c'est bien, honnêtement. J'ai vu rapidement une question qui a dit oh, si mon départ est dans un mois, est-il trop tard pour créer un compte à distance? La réponse, c'est non. C'est dans les 3 mois précédant votre arrivée. Ça peut être un mois et demi, mais on recommande dans les 3 mois. Exactement. Très bien. Quelqu'un demande si on doit avoir un salaire fixe ou un salaire minimum pour avoir une carte de crédit, mais comme le disait Sylvie tout à l'heure, maintenant, quand on arrive en PVT, c'est bon. Oui. Oui, c'est ça qui est bien. Il faut vous donner une chance pour que vous puissiez bâtir votre bureau de crédit, parce que sinon, comment bâtir son bureau de crédit si on n'a pas la carte? Exactement, c'est un cercle vicieux. Est-ce qu'il y a des assurances qui sont liées à notre carte bancaire, comme c'est le cas en France? Nous, il y a des garanties pour des achats prolongés, effectivement. Si vous achetez quelque chose puis vous l'avez payé avec votre carte de crédit, Mastercard va honorer des garanties additionnelles. Il y a de l'assurance voyage aussi. Ce qui est important de se souvenir toujours, peu importe avec quelle banque vous allez faire affaire, c'est que si vous avez une carte de crédit avec de l'assurance voyage, vous devez absolument avoir payé votre billet avec la carte de crédit. Oui, c'est pareil. Ça, il arrive souvent des gens qui ont comme des distractions. C'est très important. Pour quand on loue une voiture en voyage aussi, on peut compter sur une partie de l'assurance qui est offerte par la carte de crédit. Donc, les cartes de crédit plus haut de gamme peuvent coûter 100-150 $ par année, mais il y a une série d'avantages reliés à ça. On est comme habitué. Ça fait partie de la vie ici. Aux États-Unis aussi, remarquez, ils fonctionnent exactement comme nous. On est comme un peu américain. C'est plus gênant de le dire ces temps-ci, là, mais on est un petit peu américain puis un petit peu européen. On est vraiment entre les deux. Exactement. C'est tout à fait ça. Alors, est-ce qu'il existe un système de virement permanent depuis un compte, par exemple, pour payer son loyer? Oui. Depuis un compte au Canada, oui, vous pouvez faire des virements. Oui, on appelle ça des virements bancaires préautorisés. De plus en plus, on fait ça, que ce soit pour les... Nous, on a des frais de condo quand on habite dans des condos, des frais communs. Il y a plein de paiements qu'on peut décider toute l'année d'avance. On appelle ça des paiements préautorisés. Très, très facile. Il y a de moins en moins de chèques. Très bien. Si on vient de finir son PVT et qu'on veut changer de banque pour aller à la BNC, est-ce que vous offrez les 3 ans gratuits? Ben oui. Pour être éligible, vous devez être au Canada depuis moins de 5 ans. Parfait. Pour nous, un nouvel arrivant, c'est quelqu'un qui est ici depuis qui est de moins 3 mois plus 5 ans. En fait, j'ai un petit doute pour bénéficier des 50 $ via PVTiste. Est-ce qu'il suffit de faire la même démarche, mais d'indiquer qu'on vient de PVTiste, ou est-ce qu'il faut passer par... C'est un très, très bon point. Et c'est un très, très bon point. Passer par PVTiste, puis ouvrir le compte par PVTiste. C'est oui. Puis en plus, on sait que vous venez de là. Oui, c'est un très... Merci, Julie, de me corriger. Il n'y a pas de souci, parce qu'en fait, j'hésitais. Je me demandais s'il suffisait de le dire ou si c'était un lien qui faisait que c'était automatiquement inclus. Donc, effectivement, si c'est ça, vaut mieux passer par... Vu que c'est maintenant automatisé, ça va être plus facile. Exactement. Parfait. Puis, ce qui est bien aussi de réfléchir, ceux d'entre... Des PVTistes, il y en a qui viennent vraiment pour vivre l'expérience puis qui repartent. Si vous avez comme un projet à long terme entrepreneurial, c'est bon de s'établir avec une banque en particulier, puis d'établir une relation à moyen voire à long terme, parce que quand vient le temps de se partir en affaires et qu'il faut aller chercher du crédit commercial, devinez qu'est-ce que les prêteurs vont voir, le bureau de crédit de l'individu. Parce qu'on ne peut pas savoir en tant qu'entrepreneur comment il va être, alors on va voir l'individu, sa capacité de repayer. Fait que c'est bon d'établir une pile, la relation établie avec le prêteur bancaire. Fait que c'est bien de. Nous, on a un gros, gros volet entrepreneurial, particulièrement avec les nouveaux arrivants. Alors, ça aussi, vous pouvez aller. Je comprends que ce n'est pas tout le monde qui a ce projet-là de venir ouvrir une petite pâtisserie
On sait jamais. Moi, j'en ai une pas loin ici, là. Chez Paul, ils font la bannette. Oui. Il y en a de plus en plus, je crois, qui s'installent, surtout au Québec. Il y a Pierre qui nous dit, bon, bah, vous allez avoir 5 nouveaux clients. Voilà, je te le dis, Sylvie. T'as bien tout expliqué. Quelqu'un dit, je suis arrivée au Canada en septembre 2020. Je rembourse chaque mois mon compte crédit à la date d'échéance pour obtenir une meilleure cote de crédit en juin 2021 au moment de retrouver un logement. À quel moment voit-on une augmentation significative de sa cote de crédit? Au bout de combien de temps? Ouais. Ça, si vous voulez vous amuser, vous pouvez aller chercher sur Google cote de crédit, bureau de crédit. De façon générale, ce que je dis aux jeunes quand je parle de ça, si je leur dis, c'est un peu comme Facebook, c'est un algorithme. Alors, je peux pas vous dire qu'à chaque fois que vous payez 95 $ de remboursement sur votre carte, ça vous donne un quart de point. On ne le sait pas Equifax comment exactement il le calcule, mais Il y a différents facteurs, là, c'est parce qu'on a eu un petit problème technique mais il y a différents facteurs qui composent le total, là. On va dire quelqu'un qui a 600, il y a une partie qui est son historique, depuis combien de temps il détient du crédit. Il y a le nombre de cartes, est-ce qu'il a plusieurs types de crédit, donc du crédit rotatif, qui est une carte de crédit parce que on accumule, on repaye, on accumule, on repaye versus un prêt auto, par exemple. Alors, si vous avez différents types de crédit, ça aussi, c'est bon, ça, puis vous repayez bien. Donc, c'est au fil des mois et des années, vous allez voir, ça augmente lentement. Mais je peux pas vous donner, je peux pas vous dire après un an de bon comportement, vous allez augmenter votre cote de 55 points. C'est plus flou que ça, c'est un algorithme. Les algorithmes, c'est toujours très flou. Et voilà. Il y a quelqu'un qui va arriver avec un permis d'études et qui demande, est-ce que c'est comme les PVTistes ou est-ce qu'il faut un revenu minimum fixe et autres conditions pour ouvrir un compte chez vous à la BNC? Bien, on a une offre bancaire pour les étudiants étrangers. Alors ça, aujourd'hui, on parlait plus de l'offre pour les PVTistes, mais on a aussi une offre pour les étudiants étrangers. Il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas besoin de gagner de l'argent et dites-vous que les PVTistes, souvent, ils arrivent, ils n'ont pas de revenus encore. Donc, la BNC est assez ouverte d'esprit sur ses clients, donc il n'y a pas de, vous n'êtes pas bloqué pour ouvrir un compte à la BNC, il n'y a pas de souci. Quelqu'un demande s'il y a des différences majeures, enfin, quelles sont les différences majeures entre la BNC et Desjardins. Honnêtement, c'est les deux banques avec qui on travaille. Elles sont toutes les deux très sérieuses. Il n'y a aucun souci. Desjardins est très bien implanté au Québec et de plus en plus en Ontario. Par contre, si vous allez en Alberta, en Colombie-Britannique ou au Yukon, il n'y aura pas Desjardins. Ça, c'est la différence majeure. Après, leurs offres sont un petit peu différentes. Je vous laisse regarder sur pvtis.net dans l'onglet Bon Plan. Vous aurez la description des deux. Mais c'est surtout ça, surtout une histoire de géographie, je dirais. Y a-t-il des offres pour de l'épargne enfant, mis à part le fonds de scolarité, en fait, de l'épargne disponible pour les enfants? Oui, on a, à partir du moment où les gens s'établissent au Canada avec leurs enfants et tout ça, on a un régime enregistré d'épargne études qui est très avantageux fiscalement aussi, où le gouvernement va aller bonifier ce qui a été mis dans le compte de l'enfant, ce qu'on appelle régime REEE, régime enregistré d'épargne études. C'est très, très avantageux, donc très, très populaire aussi. Ça aussi, c'est le conseiller ou la conseillère qui va pouvoir vous aider avec ça. Puis évidemment, les gens ouvrent des comptes de banque pour leurs enfants dès qu'ils sont jeunes. Il y a quelqu'un qui a demandé la différence aussi entre Desjardins et Banque nationale. Et puis, bon, c'est pas le genre de je commencerai pas à aller trop là-dedans non plus parce que ce sont des amis, puis tout le monde a des avantages, puis on est tous ensemble pour le bénéfice des PVTistes, des nouveaux arrivants et tout ça. Je vous dirais que peut-être qu'un des gros atouts que nous, on a, c'est le fait qu'on est une banque à charte. Donc, chaque succursale et tout, on est tous ensemble. Vous n'êtes pas obligé, si vous déménagez souvent, de changer d'agence et de succursale. Puis, on est partout au Canada. Donc, c'est des petites différences comme ça, mais on les aime, ils nous aiment. Écoutez, non, vous êtes... on n'ira pas là. Mais votre question est très pertinente.
Exactement. Ben, c'est vrai que quand ça a coupé, comme c'était la suivante, j'avais un petit peu dit la même chose que toi par rapport à la géographie surtout. Mais c'est vrai que la différence que les Desjardins, c'est des caisses. Vous, c'est vraiment une banque globale. Voilà, c'est ça. C'est, en tout cas, il n'y a pas de mauvais choix, quoi. Hein. C'est pas comme si. Non. Les... voilà. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'on va prendre les deux dernières questions et après, on va libérer Sylvie. Quelqu'un nous demande, est-ce qu'avoir un compte CELI ou REER a un impact sur la cote de crédit? Pardon. Non. Bon. Ce sont des très, très bons comportements à adopter. Le CELI, pour ceux qui sont moins familiers, ça s'appelle CELI, c'est compte d'épargne libre d'impôt. Et régime et REER, c'est régime enregistré d'épargne retraite. Le traitement des deux n'est pas exactement le même, mais dans les deux cas, ce sont des économies qui grandissent à l'abri de l'impôt. On va dire comme ça, qui peuvent croître à l'abri de l'impôt. Mais non, ce comportement-là ne change pas le bureau de crédit. En fait, quelqu'un de très, très riche, avec beaucoup d'actifs, qui ne repaye pas bien, pourrait avoir un bureau de crédit moins beau que quelqu'un qui est très, très assidu. Une dernière petite question. Après, on va s'arrêter parce qu'on avait prévu de durer maximum 1h, 1h15. Je vois qu'il y a d'autres questions. On n'hésitera pas à refaire peut-être d'autres présentations. Oui. Il y a des besoins. Donc, la dernière, c'était l'offre des 3 ans de la BNC est-elle valable pour un compte joint? Du coup, on aura 2 cartes, crédit et débit à nos 2 noms et les $50 sont par personne ou par compte dans ce cas-là? C'est par compte. Mais les deux vont ouvrir, puis les deux vont ouvrir un compte pour avoir chacun une carte de crédit. Ça, c'est important. Et après, un des deux comptes va être un compte conjoint. Très bien. Ça, c'est assez logique pour le coup, mais c'est bien de le préciser. Donc voilà, je pense que ça va toucher à sa fin. On voulait vraiment vous remercier pour votre attention, pour vos questions très pertinentes. Si je dis pas de bêtises, c'est très pointu. Donc merci beaucoup pour ça. Ça a permis d'aborder beaucoup de choses. Je voulais vous préciser que demain, on fait un live au même endroit que ce soir. Pas du tout. Pas au même endroit que ce soir. Sur une autre interface, vous le retrouvez dans nos événements, sur les formations professionnelles au Québec. Si vous voulez vous reconvertir dans la foresterie, la photographie, la cuisine, l'esthétique, on va aborder ça demain à 19h. Le 20, on va aborder les démarches pour un PVT, une demande de PVT. Si vous avez des questions sur comment ça fonctionne, les demandes de PVT, les tirages au sort, les rondes d'invitation, le bassin, les délais, le prix, on vous expliquera tout dans un live sur notre chaîne YouTube PVTiste. Là aussi, vous le retrouvez dans nos événements, hein, sur la page Facebook sur laquelle vous êtes. Et le 2 février, on va décortiquer le logement au Canada à 19h, là aussi sur la page Facebook PVTiste.net Canada. Si vous avez manqué nos précédents lives, on a fait partir seul en PVT, le volontariat pendant un PVT, quel budget pour un PVT, partir au Canada en couple ou en famille, entre autres choses. On en a vraiment fait beaucoup fin 2020. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube PVTiste, donc retrouver tous ces replays-là. Voilà, donc je pense qu'on ne va pas avoir Sylvie pour vous dire au revoir. Ça a été un petit peu laborieux, c'est vrai que d'habitude c'est plus simple que ça. On vous retrouvera une prochaine fois, vu toutes les questions, je pense que ce sera pertinent d'en faire une autre. Je vous retrouve demain pour ceux que ça intéresse ou la semaine prochaine pour les autres. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, comme je vous le disais tout à l'heure, on fait un point Covid toutes les semaines et le prochain c'est demain matin, où on vous donne de l'actualité, hein, tout ce qui est demande de permis, réouverture des frontières. Dès qu'il y a une actualité, on le dit dessus. Voilà. Bonne soirée à tous, peut-être bon appétit et à très vite.